Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle vidéo annonce, là où on va parler de différentes choses relatives à la chaîne YouTube. Et donc déjà, je tiens à signaler, pour la première chose que j'ai à dire, c'est que j'ai atteint les 1000 abonnés, enfin plutôt la chaîne a atteint les 1000 abonnés, voilà, donc c'est quand même un chiffre assez rond et assez importante. C'est vrai que depuis 2006, où je suis inscrit sur YouTube, pas mal de gens souvent demandaient à avoir plus d'abonnés tout le temps, tout le temps. Jamais trop compris pourquoi. Je suppose que c'est pour l'exposition, parce que logiquement, si vous avez des abonnés, ça veut dire que leurs vidéos, enfin vos vidéos apparaissent plutôt dans leur flux de vidéos. Et donc si d'autres gens vont voir leur chaîne, ils voient aussi vos vidéos et ça peut leur intéresser. Donc effectivement, je pense que c'est avant tout pour se créer un réseau, ou alors c'est peut-être juste pour jouer à qui a la plus grosse. En tout cas, c'est vrai que j'ai jamais été trop à forcer les gens à s'abonner ou à mettre des pouces verts ou à mettre des commentaires. Je veux dire, vous faites ce que vous voulez, quoi. Si la vidéo vous intéresse, vous le faites, et si vous intéresse pas, je vous en veux pas, hein. Je veux dire, chacun ses goûts, et donc vous n'êtes pas obligé de vous abonner, vous n'êtes pas obligé de poster un commentaire, vous n'êtes pas obligé d'aimer mes vidéos, quoi. Donc en tout cas, voilà, néanmoins, je tiens quand même à remercier tous ceux quand même qui sont abonnés depuis le temps, même si bon, je suppose que dans les 1000, il y en a certains qui ne doivent plus traîner trop sur YouTube, hein, voilà. Et il y a toutes mes vidéos qui s'enchaînent une par jour sur leur flux de vidéos reçues, mais c'est pas grave. Donc oui, je tiens à remercier tous ceux quand même qui sont abonnés, tous ceux qui commentent toujours, hein, tout le temps, c'est toujours intéressant de lire vos commentaires, bon, même si des fois ils sont un peu durs à déchiffrer, mais bon, ouais. Voilà, une fois de plus, n'hésitez pas à quand même vous relire avant de poster, c'est toujours mieux. Et bien sûr, je remercie aussi ceux qui cliquent sur les pubs ou qui même les laissent visionner. Là encore, j'ai aucun problème avec ceux qui utilisent des programmes comme Adblock pour bloquer les pop-up et les pubs, hein. Vous le faites si vous voulez. Moi, personnellement, je sais que je le fais, donc ça me pose pas de problème si vous le faites aussi, quoi. Voilà. C'est juste que, voilà, si vous laissez la vidéo, ça me fait un tout petit peu d'argent. Et bon, moi, j'ai de la chance d'avoir, on va dire, plus de 1000 vidéos postées. Donc forcément, même si mes vidéos ne font pas beaucoup de vues, ça, je pense, vous l'avez tous vu, quoi. C'est vrai que j'en fais pas vraiment de. Je fais pas vraiment de pub ni de promotion, ça fait que je suis un peu genre à souvent à allez, 100, 200 vues maximum après 1 à 2 semaines de postage, à part dans certains exemples où ça monte plus vite. Voilà, au final, ça fait que mes vues, j'en ai pas beaucoup, mais on va dire, vu que j'ai plein de vidéos, et bien tout ça fait que à la fin du mois, voilà, j'ai une petite somme d'argent, un poil coquette, et donc avec ça, comme vous avez pu voir, j'ai pu m'acheter des Lego, donc par exemple, toute la série, passe toute la vague de Ninjago, et donc après, faut savoir que là, l'argent, finalement, il repart quand même aussi un peu dans la chaîne. C'est vrai que j'aimerais économiser, mais il y a quand même une partie qui part dans la chaîne pour refaire des vidéos revues. Donc voilà, tout n'est pas perdu. Et donc, dites-vous que vous soutenez activement l'activité de la chaîne. Voilà. Donc, merci à ceux qui font ça. Et puis voilà, ceux qui ne le font pas aussi, c'est comme vous voulez. Voilà, moi, ça ne me pose pas de problème. Faites comme bon vous semble. Je ne vais pas empiéter sur vos libertés personnelles. Donc voilà, donc ça, effectivement, je peux essayer de remercier des membres en particulier, mais le problème, c'est que souvent, il y a des gens qui sont actifs pendant quelques mois, puis ensuite, on les revoit plus du tout. Par exemple, je pense à, il me semble, Dark Player, qui était quelqu'un qui postait régulièrement, enfin, je me souviens de son pseudo en particulier, qui postait régulièrement, voilà. Mais au final, c'est vrai que j'ai pas vraiment de pseudo qui me reviennent en tête. Alors, pourtant, il y a des gens qui postent régulièrement, ou voilà. Donc, j'ai juste remercié une personne. Qui s'appelle Pyruk, donc Pyruk qui est un membre de la communauté Bionic francophone, enfin Action Figure, faut dire maintenant, je suppose, même si bon, non, Bionic l'enforce, hein, voilà. Donc Pyruk qui est maintenant administrateur sur Bionifix, et donc qui effectivement est une personne qui visiblement a regardé toutes mes vidéos en entier, donc je le remercie. Je tiens à dire personnellement que tu n'es pas obligé de le faire, hein. Je veux dire, je comprends aisément que des vidéos de 40 minutes où on voit rien, ou alors des vidéos qui n'intéressent absolument pas au niveau des sujets, eh bien ça saoule, donc là encore, je te remercie, mais bon, n'hésite pas, si vraiment tu n'as plus envie de la regarder en entier, eh bien tu n'es pas obligé du tout, hein. Franchement, fais ce qui te plaît, toi faut vraiment que ça te plaise, quoi, parce qu'on va pas passer. On va passer 2 heures de live construction devant un set qui ne t'intéresse pas, quoi. Voilà. Mais en tout cas, je tiens à te remercier, Pyruk, parce que ça fait chaud au cœur, et c'est vrai que je me dis que j'ai un peu quand même loupé une occasion de. Avec toi, quand tu es prêt à bosser sur le Wiki Universe, au final, je ne l'ai pas fait, et maintenant, tu es devenu. Tu t'étais dit, si je reste sur Unique Legend, j'aurais jamais aucune responsabilité, donc tu es parti sur Benefix et tu es devenu admin. Et donc, au final, je me dis que c'est pas plus mal, parce que tu peux donner, au moins, tu peux rendre tes. Des services à la communauté, visiblement tu fais bien. Voilà, donc je te remercie Pyruk, qui est d'ailleurs aussi une chaîne YouTube, donc je sais pas ce qu'il y a dessus, il faudrait que j'aille voir quand même, pour être poli, mais je vous invite à aller la regarder en tout cas. Voilà, donc merci Pyruk, et donc aussi merci bien sûr à tous ceux que je ne cite pas, mais qui sont normalement présents, qui commentent sur mes vidéos ou qui les regardent vraiment, je vous remercie, tant plus que des fois je sais que ça peut être dur, parce que je suis assez conscient que des fois je fais pas des vidéos de très grande qualité. Récemment, là par exemple, j'ai changé, comme je l'ai dit, de.
de place mon bureau pour réaménager ma chambre, et ça fait que bah, j'ai beaucoup moins de lumière. En fait, je suis en contre-jour, donc en clair, vous avez peut-être pu le voir pour les lives construction récentes, on voit pas grand-chose de ça. Franchement, je trouve ça assez inadmissible de mon côté, donc bah, je m'excuse vraiment. Je vais faire ce que je peux pour changer ça. Je pense que la meilleure solution de rajouter un spot de lumière pour avoir un peu plus de lumière artificielle, et donc bah, je pense faire ça dans les jours qui viennent, comme ça, bah, vous aurez plus le problème du manque de lumière, voilà quoi. Et c'est vrai que je me plains aussi du. C'est vrai que je fais des vidéos le matin, maintenant et le matin, le soleil il vient, il part, et donc c'est vrai que des fois, t'as un gros flash blanc dans la tronche, et ensuite après il fait super sombre quand je baisse le store. Donc c'est un peu galère, quoi, on va dire, cette disposition pour le moment. Mais bon, c'est comme ça, hein, j'en ai vu plusieurs, donc bah, j'essaie de m'arranger, de m'améliorer au fil du temps. Donc une fois de plus, parce que vous avez des commentaires ou des questions, justement sur des aspects de la vidéo, bah, n'hésitez pas à me le signaler pour que je me corrige, hein, parce que une fois de plus, même si je suis là depuis 2006, comme vous pouvez le voir, c'est jamais parfait. Je fais toujours des vidéos des fois un peu trop longues, hein. Franchement, les dernières de 30 minutes, les reviews, c'était un poil long quand même, je trouve, même par mes standards. Et il m'arrive aussi des fois, bien sûr, de ne pas bien prononcer, de bafouiller, donc. N'hésitez pas à me le signaler pour que j'essaie de m'améliorer. Voilà, ça m'intéresse en tout cas. Donc, ben, voilà. Donc, je vous remercie encore une fois de plus. Et donc, maintenant, on va peut-être parler un peu du programme de la chaîne à venir sur la semaine. Donc, on va continuer avec du Ninjago, logiquement. Aujourd'hui et demain, vous aurez la live construction du. Je trouve que ça s'appelle le tout-terrain supersonique. Donc oui, sur 2 jours, car car elle est en 4 parties. Donc je préfère poster 2 parties aujourd'hui et 2 parties demain. Déjà d'une parce que c'est moins long à uploader pour moi, vu que ça fait un giga, ça prend un peu de temps quand même. Et aussi parce que bah, c'est forcément long, quoi. Je veux dire, c'est plus intéressant de mettre, je pense, 2 vidéos qui font chacune déjà 20-30 minutes le même jour que de mettre 4 vidéos qui font toutes bah, la même durée en un jour, quoi. Ça fait 2 heures de vidéo en un jour, ça fait quand même un peu beaucoup, quoi. Et pourtant, je sais qu'il y a ça qui est arrivé comme perruque, mais bon, voilà, ça fait un peu beaucoup en un jour. Donc, je préfère diviser ça en deux. Et après, en fait, je vais vous avouer que je me rends compte que j'ai franchement fait pas mal de vidéos en projet, quoi. J'ai pas mal de vidéos mock qui traînent depuis 15 plombes qu'il faut que je fasse. Donc, ça fait que j'ai ça à faire. J'ai donc les Ninjago qu'il faut que je finisse. Donc, live construction, j'ai deux grosses live construction à finir. Et logiquement, 3 reviews qui doivent aussi suivre. Et bien sûr, j'ai aussi une petite surprise qui, normalement, si je dis pas de bêtises et si tout se passe bien, devrait arriver en milieu de semaine, et donc vous verrez bah, normalement dès qu'elles arrivent. Donc bah, quand elles sont là, je pense que bah, j'arrêterai les vidéos Ninjago en cours. Enfin, bien sûr, je vais pas couper en plein milieu de la construction. Et donc on enchaînera directement sur ces fameuses vidéos. Après, il faut quand même savoir que pour ces fameuses vidéos, je ne serai pas en compagnie de Shadow, parce qu'effectivement, en juillet, normalement, je vais chez Shadow dans la première quinzaine du mois, donc on va dire du 1 au 15, quoi, un peu par là. Et ça, effectivement, ce n'avait pas été le cas ce mois-ci. De toute façon, même si ça avait été le cas, eh bien, on n'aurait pas pu être ensemble pour faire ces fameuses vidéos. Donc, ça fait que, bah, pas un fiquet, non, ça va. Donc, oui, donc ça fait quoi, effectivement, on sera tous les deux, chacun de notre côté. Et Shadow, vu qu'il lui, il travaille, vous aurez peut-être pas les reviews. Vous aurez peut-être juste des live constructions. Donc, mettez-vous ça bien dans la tête. Alors, en tout cas, moi, on va quand même essayer de faire notre mieux possible pour vous apporter des vidéos divertissantes et voilà quoi. D'ailleurs, ça doit être assez intéressant, vu qu'effectivement j'ai évité de me spoiler les Refactory personnellement, donc ça fait que j'ai un peu tout zappé. Donc, tout dire, je risque d'avoir pas mal de surprises quand je vais construire tout ça. Et d'ailleurs, je crois que je viens de spoiler les vidéos qui allaient arriver. Enfin, je pense que vous doutez de ce que c'était, mais voilà quoi. Par contre, Shadow, au contraire, connaît très bien les sets, donc vous aurez deux approches différentes dans la construction. Vous aurez une approche. Ah bah je savais pas comment c'était ça. Une approche, ah ouais, ça je le savais depuis 3 mois. Donc voilà. À vous de choisir votre camp. En tout cas, donc c'est tout pour le programme. Donc oui, comme je dis, j'ai pas mal de vidéos moi qui traînent, j'ai la construction, j'ai les donc, ces fameuses vidéos qui vont arriver. J'ai une nouvelle série donc, de vidéos mock qui vont arriver aussi. Et aussi les vidéos mock de base qui devraient revenir. Mais j'ai quand même quelques mocks de personnes que j'ai remontées qui traînent toujours depuis quelques temps. L'ensemble, d'ailleurs, je prends des photos de mock qu'on avait fait au Festivrick, vous avez peut-être dû les voir d'ailleurs, on a fait une vidéo à l'époque, ça remonte à novembre-décembre 2011, des gens qui avaient fait des mocks au Festivrick, et donc j'ai dit que je les prendrais en photo, et donc bah, presque 1 an plus tard, je les prends en photo, donc un peu lent, mais je le fais parce que de toute façon, il faut que je fasse de la place dans ma chambre, donc je suis un peu obligé de commencer à évacuer, là, voilà. Donc bon, je pense que c'est à peu près tout. Bien sûr, vous aurez aussi d'autres vidéos de diverses, hein, d'autres listes qui vont continuer. J'ai une vidéo spéciale qu'on m'a demandé de faire depuis quelques temps qu'il faut que je fasse. Elle arrivera sûrement, je pense, mercredi. Voilà, ça va bien. Donc bon, autant dire, il y a encore pas mal de contenu pour tenir encore plus de temps, pour faire plus de vidéos et encore plus d'abonnés. Donc bah,
Écoutez, moi, une fois de plus, je vous remercie tous pour votre soutien. Ça me fait plaisir, voilà. Et je pense qu'on se retrouvera plus tard pour de nouvelles vidéos, voilà, comme d'habitude, hein. Donc, portez-vous bien, hein. Comptez passer de bonnes vacances, passez une bonne journée, une bonne matinée, et si vous faites de la grasse matinée, passez une bonne après-midi, une bonne soirée, alors. Voilà. Et donc, nous, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, merci à tous et à la prochaine.